Dun-da-da-da. Jump, jump, jump. Hello. Bonjour. J'ai plus beaucoup de batterie, mais j'ai eu le temps de prévenir quand même. Hello, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, ici la Quinzelle, reporter de la Quinzelle TV. Non, je déconne. Hey, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, Clara, coucou tout le monde. Oh, bonjour. Erreur de chargement. Oh non, 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 non. Non! À chaque fois qu'il y a une mise à jour sur les Sims, à chaque fois, c'est la pauvre Joy Phoenix qui prend tout, qui prend cher. Elle prend cher. Bah écoutez, moi ça va bien, merci. Et toi, Frisia, ça va? Et vous, vous allez bien? Hello, hello. Bah moi ça va bien, ça va. Bon, je suis encore un peu triste hein, pour le toutou, mais ça va mieux qu'hier déjà. Bah, je pense que finalement, en Joy, ce sera pas possible. C'est embêtant. Mais je pense que si ça n'a pas fonctionné, là, ça ne remarchera pas. Faut attendre qu'il y ait une mise à jour avant que ça refonctionne. Ça l'avait déjà fait une fois. Je sais pas pourquoi à chaque fois c'est elle qui... Oh, quoique, quoique. Oh, la dernière fois, ça pouvait, ça marchait plus. Oh, bah parfait. Oh, bah c'est super. Ça fonctionne. J'ai eu peur un moment, je me suis dit non, en plus ça fait super longtemps qu'on n'a pas joué avec Enjoy et que ça marche pas, ça va... Ça m'aurait saoulé. Ça m'aurait saoulé. Merci. Hello, coucou Miss Pet Shop, salut Indé, bonjour à vous, coucou Aras. Tu connais ou pas Bendy and the Ink Machine? Oui, t'as un let's play sur Bendy and the Ink Machine sur ma chaîne. Si tu veux aller voir, il y a les vidéos sur les trois premiers chapitres. Coucou, tu m'as manqué. Coucou! Let's go, let's go. Ah. Bon, je me suis luxé l'épaule. Du coup, pour les dabs, c'est pas évident. Mais ça va, c'est pas pire que la dernière fois le torticolis. Moi je suis, moi tu vois, moi je suis dans, je suis comme mon chien, je me pète tout en ce moment aussi, c'est pareil. Et merci beaucoup pour le don. D'ailleurs, faudrait que tu dises à Katossé si elle veut, je lui apprends à faire le coucou à la Miss Jirachi parce que là, c'était pas trop ça. Mais écoute, moi ça va bien. Et toi, Lilina, Gouzel Friano, n'hésitez pas à aller voir hein, sur la chaîne à Lalo. Elle fait une petite vidéo Minecraft. Voilà. Hello JJ! Bon bah écoutez, on va commencer. Alors, on va reprendre la carrière YouTube d'Enjoy. Pour vous resituer, nous sommes actuellement à 246 000 abonnés pour Enjoy. Et il lui faut 1 million d'abonnés pour avoir la promotion. Et du coup, va falloir qu'on se bouge l'arrière-train parce que c'est pas encore ça. Hein. Par contre, je suis désolée, hein, mais non. Non, Jelly, non. Tu vas prendre un bain. Tu ne peux pas commencer une vidéo avec une Jelly toute cracra, c'est pas possible. Ah, par contre, son aboiement, il est horrible. Ça marche, il y a pas de soucis. Ouais, voilà, je suis connectée à mon chien. Il se fait mal, je me fais mal. Coulora, mis les petits arbres derrière le canapé. Ouais, alors ça, c'était ambiance Noël, hein, donc enfin, j'ai envie de te dire, on est 3 mois après Noël. Faudrait peut-être que je pense à changer la déco. Hein. En soi, les arbres sont beaux, mais c'était uniquement pour la déco de Noël, si vous voulez voir un petit peu. Voilà, avec les petites étoiles, les flocons et tout, là, c'est vraiment le coin où elle se prend en vidéo pour sa chaîne. Et ben, du coup, ben voilà quoi. Il est temps de changer de décor. Ben, je pense qu'on va faire ça tout à l'heure. Il a vraiment besoin de changer tout ça. Hey Elisa! Je vais bien, Next va bien. À cause du coup, j'ai pas su aller sur tes lives. Alors, Next, pour vous situer, je l'ai pris en photo tout à l'heure, sa papate. Ça va pas mieux. Après, c'est normal, parce que bon, quand vous avez une entorse, ça enfle le lendemain, ça enfle pas tout de suite. Et là, si vous voulez voir les photos, ça me fait mal au cœur. Ne regardez pas si vous voulez pas avoir mal au cœur. Et pour que vous puissiez voir la différence entre ces deux pattes avant, c'est horrible. Vous voyez la différence? Je pense que j'ai pas à vous dire laquelle est blessée. Je pense que ça se voit tout de suite sur la photo. En tout cas, bon.
Mais bon, c'est le premier jour où vraiment c'est enflé. On est obligé d'attendre malheureusement. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut qu'on attende quelques jours, 2 jours, 48 heures encore, avant de savoir si c'est une fracture ou pas. Je pense pas que ce soit une fracture parce qu'il arrive quand même à poser la pâte sans trop cuiner. Donc c'est vraiment une fracture, il poserait même pas la pâte. Ouais, pauvre loulou. Et pour vous dire qu'il s'est fait ça juste en se levant la nuit alors qu'il était couché, donc comme quoi c'est pas si dur de se blesser quand même. Hello Oxwards! Qu'on part dire, j'ai pas compris pourquoi. Je voulais pas qu'on part du live. Ah bah je sais pas. Hello The Girl, hello Justine, petite licorne, bonjour à vous. Désolé pour toi, Kinzel. Bon, il y a pire hein, dans la vie. Hein. C'est juste une entorse ou même si c'est une fracture, ça se soigne. Ex le bonhomme Michelin, ouais, c'est ce que j'ai envoyé tout à l'heure. Let's go, hello. Merci Lalo pour le don. Ouais, ce que j'avais dit tout à l'heure, ça me fait penser au bonhomme Michelin. Il a la patte tellement enflée. D'un côté, les cadeaux qui sont derrière le canapé, ça fait comme si elle avait eu des cadeaux. Bon rétablissement en ex. Merci. Bah, je lui passerai, je ferai un très gros bisou de votre part tout à l'heure. Ah, je l'ai sorti juste avant de commencer le live, histoire qu'il soit quand même sorti. Mais bon, du coup, on le sort moins. On le sort moins que avant quand il allait bien, parce qu'il faut vraiment limiter ses mouvements. On l'engueule quand il se lève. Du coup, quand il se lève, on lui dit « Mais couche-toi !» Limite, on l'engueule pour qu'il se couche, parce que des fois, il essaie de jouer. Mais non, il faut qu'il se repose. « Hey, t'as motivé ?»« Hey, Aneta !»« Non d'objet, quand je mouille pièce, y'a trop chore. »« Zoua ma osso bien manger un ogre. » Coucou Mathilde. Alors tu vas nettoyer ça, tu vas aller au pipi room. Et bon, faut pas se laisser abattre, faut lui montrer qu'on est là, et puis voilà. On entend pas très bien les dons. Ah ouais? Attends, je vais augmenter un petit peu si tu veux. Le son OBS Ah. Par contre, vous avez bien entendu la chiasse d'eau dans Jeff Phoenix. Vous direz si c'est mieux pour le son. J'ai un petit peu essayé d'augmenter par-ci par-là. On verra bien, on verra bien. Il y a une alerte ou quoi? Voilà, voilà. Hello Elma! Oula, elle m'a fait peur. Aga, aga. Oui, oui, aga, aga. Oula. Ah, mais c'est Gutir! Hein? Faites un petit hashtag dans le chat si vous avez vu ma dernière vidéo MSP de ce matin. Un petit hashtag, j'ai vu ta vidéo MSP. Je peux l'histoire pour savoir ceux qui savent de quoi je parle quand je vous montre un Gutir sauvage qui apparaît. Rétablissement à mon Xou, ouais, je ferai un très gros bisou de votre part. Ce soir, tu pourras faire un live. Oui, il y aura du MSP plus tard, ouais. Hello Nao. Alors. Allez. Oula. Là, je pense qu'on nous entend bien. Let's go, hello. Je vais même baisser un petit peu. Test. Ah oui, là, oui, oui, effectivement, là, on l'a bien entendu, hein. Là, hein, je dis pas le contraire. Et merci pour le nom. Hashtag j'ai vu ta vidéo. Oh, merci, ouais, vous êtes pas mal à l'avoir vu. Donc ça va, vous voyez de quoi je parle, alors. Instagram, moi aussi, je veux te rencontrer. Demain, tu pourras faire une vidéo comment télécharger des CC. Bah après, je l'ai fait en live la dernière fois, comment télécharger des CC. J'ai pas encore vu. Hérétique. Non, je déconne. Alors, faire connaissance. Ah, je crois que par contre, la petite Jelly a envie de sortir, je crois. Oh. Je ne devrais jamais. Elle va aller au travail avant même. Promener. Allez, va pour. Oula! Il y a un mec torse nu et sans chaussures. Allez! Allez, pauvre Jelly. Voilà, petite promenade. Hello Miranda, hello Alain, comment vous allez? Hello Angélique. Ah, je suis désolée pour la notif, hein, mais le week-end... Oh! Ah, mais c'est vrai! Elle s'était barrée, mais elle est juste là. Oh! Elle s'était barrée. Non? Bah non, elle s'est pas barrée. Non, non, elle s'est pas barrée, elle est juste descendue.
Alors, on va lui demander de faire ses besoins. Bah alors. Oh. Elle est malade, Nova. Elle est malade. Ah, le travail commence environ 1 heure. On va mettre aller au travail ou travailler depuis la maison. Parce que là, avec les animaux, ça va pas du tout. Ah, il faut que pour le travail, être malicieuse avec 5 Sims différents et gagner de l'argent en faisant de la publicité pour un produit important. Placement de produits! On commence les placements de produits avec Enjoy. C'est vrai que je suis pas trop placement de produits personnellement. En plus, je sais que dans les Sims, quand on fait des placements de produits dans la carrière de YouTuber, on a souvent une perte d'abonnés et de temps en temps, on peut gagner quand même le gros lot en termes d'argent. Mais personnellement, avec un placement de produit, j'ai jamais gagné d'abonnés sur Enjoy Phoenix. Et bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener Nova à la clinique. On va emmener Nova à la clinique parce qu'elle est pas bien. Et je sais qu'Enjoy Phoenix, elle aurait fait ça direct. Je pense qu'elle doit kiffer ses animaux. Et du coup, bah, c'est direction la clinique. On va laisser Jelly se balader. Ah, pourquoi tu l'emmènes pas à la clinique? J'ai demandé de l'emmener à la clinique. Allez, viens, on va à la clinique. Voilà, parfait. Hello Aurélie. Merci Mélé. Jess, j'ai vu le labyrinthe 3, tu veux que je te spoil? Non, je ne veux pas. Même si je t'avouerai, j'ai bien aimé le 1, le 2 beaucoup moins. Et du coup, le 3, j'ai pas vu, donc je peux pas encore juger. Mais du coup, vu que le 2 ne m'a pas forcément plu, le 3, je suis pas super impatient d'aller le voir, quoi. Et le placement de produit du Nutella MDR. Ah ouais, le Nutella, en plus, on va gagner des abonnés, c'est sûr, si on fait un placement de produit Nutella. Du coup, on va aller à Brindleton Bay pour aller voir la clinique vétérinaire qui est juste ici, Animopital de Brindleton Bay. Hein, parce que ici, nous n'avons pas la clinique de Julie. Coucou Evouille, comment ça va? Moi, j'ai une gerbie. C'est quoi ça? C'est un oiseau? Là, sans être là, je fais mon rapport de stage. Ça marche, Fungi. Coucou Clacla, ça va et toi? J'ai vu le 3 en salle d'immersion dans mon cinéma. Ouais, bah je sais pas, bah pourtant il y a pas mal de gens qui ont bien aimé le 3. Donc peut-être que ça me réconciliera avec la saga. Pour l'instant, le 1, franchement, le 1, j'ai surkiffé. Hein. Le 1, il était super. Le 2, je sais pas, après c'est. Ouais, je vais pas trop en parler non plus pour pas spoil, mais je pense que pour ceux qui ont vu le 2, vous voyez quand même de quoi je parle. Et par contre, le 3, du coup, j'ai même pas regardé la bande-annonce du 3, je crois. Donc, mais moi, je suis pas trop bande-annonce. Moi, j'aime bien ne pas regarder la bande-annonce d'un film. Parce que je trouve que dans une bande-annonce, ça spoil énormément. Surtout les films d'horreur. Parce que du coup, il y a des moments dans le film d'horreur, si t'as vu la bande-annonce, bah, tu te dis, bah, je sais ce qui va se passer un truc là. Donc voilà, t'es déjà. Alors que quand tu sais pas, tu vois, t'as pas vu la bande-annonce, c'est juste c'est un bon film d'horreur. Ça passe quoi. Pourquoi je peux pas soigner? Il y a aucun animal éligible à inscrire? Attendez. Parce que. Elle est là, mais c'est comme si pour moi elle était pas là. Je comprends pas. Et du coup, je peux pas l'inscrire. Ah bah, c'est embêtant. Bah écoutez, on va rentrer, hein. Quoique, non, rentrez pas. Est-ce que je peux réinitialiser l'objet? Ouais, non, je comprends pas. On pourra pas le faire. Bon bah, tant pis, on rentre à la maison. Parce que du coup, bah, je peux rien faire. Et je suis vraiment désolée pour Nova. Prends pas la grosse tête, t'es trop bien. Merci. Je vais te faire un don PCF card 7€. Mais non, déjà avec ce que tu veux faire pour MSP toi-même, tu sais, c'est déjà beaucoup. T'es pas obligé, ne t'inquiète pas, mais merci. Que je vais pas te spoil, bah c'est bien. Il me reste une semaine de vacances, hashtag TeamZoneB, ouais. Vous êtes les rescapés encore. Emily, Repokera, salut Mister, coucou Lina. Coucou Michou. Bah moi ça va, ça va. Enfin, je dis ça va, parce que à chaque fois qu'on me demande si ça va, je dis toujours que ça va. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, bon, j'ai un peu plus la patate qu'hier quand même, mais j'ai quand même la tête dans les étoiles à penser à mon petit Nexo qui est dans le salon. Je vais acheter des gros nonos de la mort du turfu, tu sais. Genre les os, le 4-5€ l'os, comme ça. J'en ai acheté 3 ou 4, histoire qu'il ne bouge pas et qu'il bouffe son os, mais qu'il reste couché. Et quand un live Overwatch, ce serait pas mal peut-être d'en faire un ce soir. Sur Twitch par contre. Regardez, ça m'énerve, regardez Nova, elle suit Enjoy, mais quand vous regardez en bas dans la barre, elle est toute grisée.
Alors, je sais pas s'il faut peut-être que je sorte de la famille et que je rentre dedans pour essayer de régler le problème, mais c'est énervant. Parce que du coup, je peux pas. Enfin, je peux interagir avec. Mais du coup, j'ai pas pu la soigner chez le véto. C'est un petit peu chiant, ça, par contre. Hello, licorne kawaii. Demain, j'ai école et sur Insta, c'est moi qui t'ai proposé la coloration Harlequin. Ah, mais tu sais, la coloration Harlequin, tout le monde me la propose. Hein. Et je l'avais déjà fait une fois. Ça, c'est vraiment celle qui m'est le plus proposée, je crois. Tu as vu le perso? Ouais, le nouveau perso, ouais. Je suis un petit peu déçue que encore une fois, ils mettent un personnage féminin pour encore une fois un personnage de type soutien. C'est un petit peu chiant, la longue. Je sais pas, mettez un mec comme personnage soutien et mettez un personnage féminin pour un personnage DPS ou un personnage tank. Surtout qu'en plus, elle avait l'air d'un tank, le nouveau personnage Overwatch. Coucou Clara, comment ça va? J'ai une entorse. Bon, bah, comme mon chien, en fait. Coucou Lisa, YouTube. Ouais, elles sont géniales. Bah merci, c'est gentil. Merci, merci. Et Clara, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Est-ce qu'il a eu ton chien? Bah pour l'instant, c'est une entorse. Pour l'instant. J'y viens pour l'instant parce que vu que le vétérinaire n'a pas fait de scanner, enfin scanner, de radiographie, ben, on sait pas. On peut, je peux, c'est pas sûr à 100% que ce soit qu'une entorse. Ça peut être une fracture. Bon, on espère pour l'instant que ce soit qu'une entorse. Quoi le mieux entre la donne, Vistadine, vivre ensemble ou chien et chat? Bah chien et chat, hein, largement. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Hein. Chacun a des goûts différents et bon, selon moi, si je devais choisir, ce serait chien et chat. Alors, on va s'occuper un petit peu de son métier parce que là, c'est pas trop ça. Il faut être malicieuse avec 5 sims différents. Gagner de l'argent faisant de la publicité pour un produit important. On va commencer par faire la publicité. Alors déjà, payer les factures, ce serait pas mal. En plus, c'est pas comme si je manquais de l'argent. Hein. Ensuite, réseau social, il faut également. Faire de la publicité pour un produit important. Bon, on espère que on sera gagnant. Et par contre, pour pallier on va dire, la perte d'abonnés, on va déjà commencer à lancer un mème. Raconter des blagues pour détendre l'atmosphère après un placement de produit, tu sais. Enregistrer, mettre à jour son statut sur les réseaux sociaux. Promouvoir une photo, publier un statut. Voilà, on est pas mal. Alors, moment, je me faufile avec vous, merci de me laisser m'inviter. Alors lui, par contre, ah bah non, ils peuvent pas, je crois que j'ai bloqué la porte aux inconnus. Parce que lui, à chaque fois, Arthos, lui, je crois que je vais le tuer. Un jour, je vais engager, on va demander à Enjoy d'engager un serial killer. Et puis, on éliminera, parce que franchement, il est relou, hein. Je suis désolée. Hein. C'est comme le vrai, en fait. Le vrai était relou, parce qu'Arthos, c'était un ancien abonné. Bah alors, celui en Sims, deux fois pire. Mais le 3 est super bien. Si besoin de quelqu'un pour se payer, je suis là. Mais le 3 est vraiment super bien. Ça marche. Les gamelles, ouais, les gamelles sont pleines. Là, il y a deux gamelles. Bon, il y en a deux vides, mais deux pleines. Donc, ça devrait aller. T'inquiète pas. Il est bizarre, ouais. Il est chelou, hein. Sur Discord. Ouais, je réponds sur Discord. 15 ans après Sims, tu peux aller. Bon, on verra. On verra. Salut, Eva. Un petit peu mieux. Oui, bah oui, parce que j'ai remis la cam là, pas comme hier. Hello Lao Gaming. Alors, elle a gagné de l'argent, je pense que ouais. Hein. De toute façon, pour le placement de produit, tu perds des abonnés, mais tu gardes. Oula. Oula, Enjoy, tu te calmes. Elle est joueuse. Alors. Alors. Oh Marie est allée à l'encontre de ses principes pour un bénéfice de 1500 simflouz. Ce n'est qu'une petite publicité. Mais perdre 64 000 abonnés! Non mais lol, 64 000 abonnés pour une publicité! Waouh, c'est énorme! Mais bon, d'un autre côté, avec un mème, elle a pas gagné d'abonnés. Marie a obtenu 150 abonnés en comparant l'économie mondiale à une meule de fromage. Et a gagné quelques abonnés, 20 abonnés. 0 abonnés pour la promotion de photos. Franchement, on gagne peu d'abonnés là. Qu'est-ce qui se passe? Le même, il est foiré. En fait, t'es en train de tout foirer là. Partager des blagues. Vu qu'elle est joueuse, peut-être que. C'est pas ouf, hein. C'est pas fameux, hein. À 9000 abonnés.
Et c'est pas trop ça, hein. Ouais, qu'est-ce qu'elle... est en train de se tabasser dans le couloir, encore une fois. Oh là là, mon dieu. Coucou Marie, merci Roxane, coucou Lisa, Lena. Marie met trop de smiley. Ouais, elle met beaucoup de hashtags. Enjoy, il fait pas comme KZ dans la maison, des abos mortes de rire. Ouais, ce serait ridicule. Pas comme moi, s'il vous plaît. Coucou Elodie, coucou Béatrice. Qu'est-ce qui se passe, Mux? Elle a gagné 8000 abonnés. La blague, elle était nulle, donc elle a pas gagné d'abonnés. Bon, écoutez, c'était pas fameux. On va essayer de rattraper le tout en quand même faisant être malicieuse avec 5 sims différents. Donc on va les toquer. Non, on peut pas, il y a personne. On devrait à discuter, non. Bah tiens, il y a Guitir. Oh, ils habitent ici. Bonjour. Elle est embarrassée. Voilà, on va essayer d'être malicieuse. Malice. Je suis désolée, hein, Guitir, hein, mais on va t'inviter à une fausse soirée. Hey, Mezu. Voilà, de toute façon, même si... Voilà, on est déjà malicieux avec un sim. On va essayer de visiter l'appartement. Elle a un copain, Marie, je crois. Oui, elle a un copain dans la vie réelle. Par contre, dans les Sims, elle a pas encore son copain. On va dire qu'entre guillemets... on va attendre un peu avant de la caler. C'est-à-dire, je n'ai pas encore créé Florian. Faudrait que je le crée. Tu passes combien de temps sur tes PC? Ben, sur mon PC, parce que j'en ai un. toute ma vie, je passe dessus. Ou YouTube. Ou Fashion Geek. Hey, mademoiselle création. Coup, j'avais gagné une semaine VIP sur un concours, je suis toujours pas VIP. Bah, bien essayé, Elise. Bien essayé. On sait jamais, hein. Sur un malentendu, ça aurait pu marcher. mais non. Merci quand même, je repasserai. Alors, Malice. Pareil, j'aime bien inviter à une fausse soirée. C'est franchement le truc de Malice que je kiffe le plus faire. Par contre, ils sont bien, hein, tranquilles, hein, baraque et tout. Une, deux, trois chambres. Il y a trois chambres, franchement, leur maison, elle est grande. Hein. Elle est pas mal. J'aime bien le style de la cuisine. Regardez avec les murs. C'est stylé, hein, quand même. Ah, moi, j'aurais peut-être fait une ouverture ici. Mais sinon, franchement, c'est stylé, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez. On va être malicieuse. On va inviter aussi Julie à une fausse soirée. On les invite tous à la même soirée, en fait. C'est la même partout. Arthos aussi. Malice, invité à une fausse soirée. Et Océan... pareil, on va l'inviter. Oh, bon, on va faire présentation amusante. Enfin, pas très amusante, puisque... Ah, il y a Cerise. Allons voir les feux d'artifice. Non, Cerise, tu t'es toujours pas abonné à la chaîne d'Enjoy Phoenix. Coucou, The Bandit. Tu vas voir jouer aux Sims ou ne plus pouvoir jouer à MSP. Je pense plus ne pas pouvoir jouer à MSP, parce que j'ai quand même... Sims, c'est quand même un jeu, je pense, où je m'amuse quand même mieux. 15 sur une vidéo, je vais te faire une pub. Bah merci, c'est gentil, mais tu n'es pas obligé, t'inquiète pas. Après, je vais aller leur piquer un sandwich. Et merci à toi, The Bandit. Bienvenue, merci pour ton abonnement. Hello. Allez. Il est où? Bah, il est où? Ah, bah, il est là. Et tu lui as toujours pas dit bonjour? Il serait peut-être temps. Présentation amusante. Allez, va lui parler. C'est la dernière personne à qui t'as besoin de parler pour ton travail. Coucou Divinity, coucou Lilou. Comment vous allez? Voilà. C'est bon, je pense que les présentations ont été faites. On va en profiter pour inviter une fausse soirée. Voilà, la même que tout le monde. Tu n'y échapperas pas. On va squatter, prendre un petit sandwich au passage. Hein. Que la fin, Enjoy. Hein.
Ah, pas le verre du Konnichiwa. Coca d'hier soir. Non, c'est un autre. Konnichiwa. Celui d'hier, c'était... Merci, bienvenue à toi. Celui d'hier, c'était... Star Wars. Voilà, il est là. De toute façon, je l'ai même pas ramené dans la cuisine. Hein. Et aujourd'hui, c'est... Bah, je vous avais dit en plus que je l'avais. C'était celui de la Reine des Neiges. Bon, malheureusement, j'ai pas encore enlevé complètement l'étiquette. Hein, donc, vous verrez pas Elsa. Par contre, il y a sa sœur juste ici, Anna, hein, c'est ça. Hein. En plus, vous me l'aviez tellement dit. À chaque fois, j'oubliais son prénom, vous me le disiez toujours dans le chat. Donc, c'est bien celui de la Reine des Neiges aujourd'hui. Hello, Ilona. Coucou, Nathalie. Comment ça va? Bah, écoutez, elle a fini hein, son taf aujourd'hui. Bah oui. Hein. Mais bon, on a perdu plus de 60 000 abonnés aujourd'hui. C'est terrible. C'est terrible. On va lui demander de rentrer pour essayer, je sais pas, de lancer un stream peut-être après qu'elle ait fini de manger. Par contre, ils sont en train de faire des trucs bizarres. Regardez. Je suis désolée, mais c'est bizarre. En plus, elle a pas de... Il lui manque un haut. Enfin, je suis désolée, mais c'est trop chelou. Vous faites quoi? Vous faites des gens, du sport bisous comme les gens qui sont en couple et qui font du sport et qui se font des bisous? Bon, allez, mange, enjoy. Après, tu rentres à la maison, on va lancer un petit stream. Hello Mimi, coucou Juju. Ouais, 60k, 60 000, plus de 60 000, hein, on a perdu, je crois, 67 ou 68 000 abonnés. Elle était à 250 et quelques 1000 abonnés, là elle est à 199 000, on en a récupéré quelques-uns. Mais bon. Je risque d'initialiser mon mot de passe origine, ça me dit mot de passe non conforme. Bah, peut-être qu'il faut mettre au moins des lettres, des chiffres ou je sais pas quoi. Non, enfin, je suis une geek, tu te calmes. Coucou Niad, The Queen. Ton live sur l'ICC, tu l'as pas mis en rediff et du coup je ne m'en souviens plus. Bon, en fait c'est simple, hein, il faut juste télécharger, enfin t'appuies sur download, download qui veut dire télécharger. Coucou Tontons, comment ça va? Relilina, hello Saru. Bah Oasis, c'est pas moi qui ban. J'ai une équipe de modérateurs qui font un très bon boulot. Par contre, si l'équipe de modérateurs t'a ban, c'est qu'il y avait une raison. Ils ne bannent pas pour rien. C'est que tu n'as pas respecté un règlement en particulier, ou même plusieurs à la fois, ça peut arriver. Mais bon, si t'as pas été ban définitif, c'est que c'était pas assez grave que ça. On va prendre juste de ses erreurs. Coucou Evangeline, coucou Chocofen. Ça va et toi Mimi? Il y a beaucoup de monde, sinon je t'aime ta meilleure youtubeuse. Bah, c'était quoi la question, Nechsa? Parce que je t'avais répondu tout à l'heure. Question, je n'ai pas compris, il y a des visiteurs, tous où ils habitent ici. Alors en fait, Nutella, c'est des appartements. Et là, on est chez les voisins. Notre appartement, il est là. Mais on le voit pas parce qu'on est obligé de se déplacer. Là, par exemple, je vais lui demander de rentrer à la maison. Tu vas voir que ça va recharger. Mais là, en fait, on est chez les voisins du même palier. De toute façon, tu vas voir. Regarde, là, je lui demande de rentrer à la maison. Voilà, ici. Et là, vous voyez, ça charge. Et je banne pour rien. Ah oui, c'est connu. Merci Saru, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. Ah oui, c'est connu. J'allais dire un truc, mais tu ça vénère, Lalo. Tu as combien de familles dans les Sims? Ah, j'en ai plein. Je sais même plus les compter tellement. Tu vas faire le 100 bébés challenge? Ouais, vous savez, en plus, tout à l'heure, j'ai pensé à le faire, bah du coup, ce soir, commencer à créer déjà le personnage, parce que je pense que pour le 100 bébés challenge, on crée le personnage nous-mêmes. Donc au moins créer le personnage pour commencer le 100 bébés challenge. Pas sur tes lives depuis longtemps. Bah écoute, c'est que Oasis, c'est que t'as pas lu le règlement. Parce que si tu fais ban plusieurs fois, c'est que t'as toujours pas compris pourquoi tu te faisais ban. Si t'as pas compris, c'est que tu n'as pas lu le règlement, je pense. Enjoy Phoenix a arrêté. Non, elle a pas arrêté. Je disais par rapport au titre, c'est par rapport à ma, on va dire, reprendre YouTube dans le sens où ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec la famille d'Enjoy Phoenix. Mais c'est pas Enjoy Phoenix qui a vraiment arrêté. Hein. Et le Salma, bah bon courage à toi pour demain et bon courage à tout le monde qui reprenne les cours demain. Froid pour moi le prix de la liberté. Non, c'est le froid et pour moi le prix de la liberté. Alors, elle va faire, oui, une petite sieste. On peut toujours pas, enfin, on a toujours pas Nova dans la famille, elle est toujours grisée en bas, c'est un peu chiant. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait bugger tout à l'heure, mais en fait j'ai peur de quitter la famille pour y revenir, pour régler le problème, parce que j'ai peur qu'il y ait l'erreur après. Hello Aïcha, comment ça va? Ton chien va mieux? Bah honnêtement c'est pire aujourd'hui, parce que bon, l'entorse elle est survenue hier pendant la nuit, enfin hier, avant-hier pendant la nuit, et du coup ça met toujours quelques heures avant que ça commence à enfler. Aujourd'hui ça a vraiment beaucoup enflé. Il dit je veux tout savoir. J'allais dire Lola elle banne tout le temps. Pour rien. Hello Abigail. Regarde, tu m'as répondu. Bah oui.
Ouais, c'est dodo. Par contre, ça me fait un petit peu chier quand même pour Nova. J'aurais bien aimé m'en occuper. Alors aussi, je m'occupe de ce décor. Bah tiens, on va s'en occuper. On va s'occuper de ce décor. D'ailleurs, j'ai beaucoup réglé mes problèmes de CC. Franchement, au niveau du tri, j'ai presque fini. En tout cas, au niveau des tris objets, j'ai franchement, à part peut-être un, deux ou trois grands max objets qui déconnent, normalement, au niveau des objets, c'est bon. Alors. Alors, quel décor? Est-ce que vous avez des idées de thème de décor à me proposer ou pas? Honnêtement, on est quoi? On est encore en hiver. Mais bon, c'est bon, on a marre du décor d'hiver. Il y a Pâques, mais c'est encore dans longtemps Pâques. On est quoi? Ouais, ce mois-ci, il y a quoi de particulier? Je sais pas ce qu'il y a de particulier ce mois-ci. Tu as en goutte? Non, je n'ai pas en goutte. Mais si, Marine, je t'ai répondu tout à l'heure. Et merci pour le don, The Pandy! On va s'enjailler sur la musique. Oh, let's go, hello! Et merci à toi, The Pandy, je te fais un énorme cœur-cœur, merci énormément pour le soutien, je te fais un très gros bisou, merci beaucoup pour ton don, vraiment. Merci beaucoup! Super gentil! Si j'ai lu, mais je mets pas de majuscule, j'ai eu ça à demande de modération si je connais X ou Y youtubeur. Ouais, il y a aussi Limonade qui donne une partie du règlement dans le chat assez régulièrement. Voilà, voilà. Et Lolicorne. Bah oui, là, Lola aime bien bannir la plage. Ouais, mettre un thème sur la plage alors qu'on est encore dans le froid, dans l'hiver, c'est pas ouf non plus. Fleur. Ouais, fleur, ça fait trop été. Un truc quand même qui reste, ouais, automne-hiver. Le début du printemps, le 21 mars. C'est vrai qu'on n'y est pas encore. Hey Pony! Et merci petite unicorne. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Thème d'anniversaire, car au mois de mars, il y a l'anniversaire de ma mère. Ah, c'est vrai que l'anniversaire de ta mère est en relation directe avec Enjoy Phoenix. Bon cocooning. Enfin, en soi, le fond est déjà cocooning. Enfin, moi, je le trouve déjà... Alors attendez, on va mettre la journée. Pour mieux voir dans l'appartement quand même. Attendez, je vais allumer la lumière parce que sinon on voit rien. C'est chiant. Et merci Adrien, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. On va allumer cet éclairage. Comme ça, on peut voir quand même ce qu'on fait. Parce que s'il n'y a pas de lumière, c'est un peu chiant. Par contre, il y a les vlogmas, c'est ça hein. En train de reprendre, j'ai pas encore le temps de regarder ces premiers épisodes, mais moi j'aimais bien regarder l'année dernière, je les avais vus, ces Vlogmars. Du coup, c'est peut-être un truc en relation avec les Vlogmars. Bon, écoutez, Tumblr, on va faire un truc totalement, voilà, sans aucun thème particulier, juste un décor. Alors, du coup, on va remettre un petit peu. Ah. Attendez, parce que je fais des bêtises. Quoique, attendez. Quoique. J'ai encore pas l'habitude avec les boutons, du coup, pour... Je ne sais jamais pour monter ou descendre. Merci Alex, bienvenue à toi. Je ne sais jamais c'est quel bouton pour faire monter l'objet. Oh, je sais plus comment monter l'objet. Normalement, c'était ça. Oh, et puis tu m'as saoulé le coussin, au revoir. Harry Potter, il y a eu 20 ans. Ah ouais? Et merci à toi, ton... Merci beaucoup. Je sais pas si je dois dire ton ou ton, mais bienvenue à toi. C'est 9, il me semble. Bah ouais, mais c'est ce que j'ai fait, puisqu'il me semblait aussi que c'était le 9, mais ça, j'y arrivais pas. Mais vu que je l'ai déjà fait, normalement ça devrait quand même fonctionner. Ah, c'est Alt! Parce que moi, j'ai appuyé sur STRL. Attendez, parce que là, il est déjà bien placé, mais... Ah oui, effectivement. Et pour le baisser, c'était... Et pour le baisser, c'était quoi, déjà? 8? Ah, et c'est 0. Ok. Merci. Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai pas fait le bon bouton. Voilà. Merci beaucoup. J'ai du mal, hein. STRL, Alt... C'est juste que STRL chapeau, c'est pour... Parce que vu que c'est le premier que j'ai appris, c'est pour agrandir l'objet. J'ai encore du mal.
Alors, on va voir pour directement, je pense, dans les décorations. Bon, c'est vraiment le côté décoration que l'on change, en fait. Hello, Ali. Alt 0, yes, merci, tu perds la mémoire, c'est ça. Je me fais vieille, je me fais vieille. C'est quoi? Ça c'est des rideaux de douche, ça, on dirait. Bon, en soi, ça peut être une idée, hein. Ça peut être sympa, attendez. Moi, j'aime bien comme ça. En soi, c'est vrai qu'en haut, c'est pas ouf. Mais vous voyez, si Enjoy, elle se filme, c'est cadré vers le bas, quoi. On verra pas la barre en haut. Par contre, le stickers, je veux bien le descendre un peu. Que ce soit quand même un peu... Enfin, que les étoiles, on les voit quand même un petit peu mieux. Voilà, là, c'est parfait. La fête des grands-mères. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, bon, difficile de mettre un thème fête de grand-mère. Mais c'est déjà pas mal, hein, ce qu'on a mis là. Ouais, c'est un petit truc de paille. En soi, c'est plus des peut-être à ce niveau-là qu'on peut mettre quelque chose. Non, là, on a déjà mis un rideau. On va pas en mettre 36 non plus. Hein. Moi, tu es vieille, mais je t'aime. C'est bizarre. Moi, j'aime bien. Bah, ça change. De toute façon, ça change. Oh, de toute façon, il y aura plusieurs... Et là, on va mettre une dame derrière. Alors, elle l'observe pendant qu'elle fait ses vidéos. C'est assez creepy. Je sais pas si vous vous rappelez, hier, quand on a joué à Fortnite avec mon frère, et qu'il avait mis un mur, et il y avait un nain bloqué dans le mur de Fortnite. J'ai pas compris. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un sac de sport. C'est vrai qu'on pourrait mettre un sac de sport, s'il y en a d'une autre couleur. Voilà, genre comme ça. On va mettre près de l'entrée, pour faire genre un style. Voilà, près de la salle de bain. Hop. Parce que c'est vrai qu'elle elle fait quand même beaucoup de sport maintenant, Joy. Hein. Elle a du courage. Elle a du courage. Déjà qu'elle a beaucoup de taf avec sa chaîne. Elle voyage beaucoup et en plus elle fait du sport. Je sais pas comment elle fait. Faudrait qu'elle m'apprenne une fois. Hein, parce que moi, oh, moi j'y arrive pas. Hein. Je vous le dis. Hein. J'essaie de trouver des trucs. Je trouve ça c'est sympa. C'est peut-être un petit peu bas du coup. Peut-être que je le réagrandisse. Mais non, parce que. Là, ça fait trop grand, malheureusement. Et là, ça fait trop petit. Du coup, on laisse tomber, mais ça aurait pu être une bonne idée. Comment il ronfle, mon chat? Ah, moi, il ronfle rarement, mon chat. Pourquoi faire une famille Harry Potter? Alors, pourquoi pas une famille Harry Potter? Mais à ce moment-là, faudrait que les Sims 4 ressortent, comme pour les Sims 3, du coup, la magie. Franchement, s'ils sortent la magie... bon, je serais pas original dans l'idée, hein, puisque je pense que beaucoup de gens le feront. Mais pourquoi pas faire... faire Harry Potter, Poudlard, etc. Parce que moi, j'adore hein, l'univers de la magie, etc. Kinzel, et maintenant, elle a une boutique qu'elle gère. Elle est sur tous les fronts. Ouais, parce que justement, j'ai pas vu, mais c'est vrai qu'il y avait les dernières vidéos qu'elle a fait. J'ai pas encore eu le temps de les regarder, mais elles ont l'air vachement intéressantes. Parce qu'apparemment, voilà, son projet est en marche, etc. etc. Enfin, j'ai vu les titres, mais j'ai pas vu le contenu de la vidéo. J'ai pas encore eu le temps. Faudrait vraiment qu'à un moment donné, je me pose devant. Je pense que ce soir, par exemple, quand je vais manger, ou j'ai même... Enfin... Je pense que je regarderai, quoi. Je regarderai. Peut-être pour un prochain décor, on mettra ça. Enfin, différentes couleurs, différentes formes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Franchement, ça... Franchement, ce qu'elle fait... je sais pas. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas comment elle fait. Moi, déjà, j'ai du mal à gérer une seule chaîne YouTube sans faire de voyage, etc. etc. Donc, franchement... Après, moi, je suis un petit peu laxiste quand même, un petit peu flemmarde de temps en temps. Faut l'avouer. Hein, faut se l'avouer. Ah, regardez, ça, c'est une cascade d'eau. Une cascade d'eau. Je suis en train d'essayer de voir. Par exemple, si on met une cascade d'eau derrière. Et si on la monte un petit peu. Ah par contre ça fait... Attendez, ça fait chelou parce que regardez, l'eau elle va tomber d'en haut quand même. Juste pour tester ce que ça donne. Ouais non, ça le fait trop pas en vrai. Ça le fait mais tellement pas en vrai. C'est chelou. On va enlever ça tout de suite. On déjà filme parfois 4 à 5 vidéos par jour pour prendre de l'avance. Bah oui, mais moi j'essaye et j'y arrive pas. À la limite je fais 2, 3 max par jour. Et pourtant, hein, ce qu'elle fait est beaucoup plus compliqué que ce que moi je fais. Hein. Vraiment, après peut-être c'est aussi une question d'habitude. Alors comment je fais pour l'enlever maintenant? J'arrive pas à l'enlever.
Lol. Comment je fais maintenant? Merci, Donit. Bienvenue à toi. Alors, je crois que nous avons un problème. Ah non, si, c'est bon, c'est là. Il y a le cadre. Je voyais même plus le cadre. J'étais là en mode, what? Il est où? Ouh, j'ai eu peur. Je sais pas comment elle fait, en vrai. Hein. Mais c'est vraiment une working girl, je pense. Donc, non, c'est moche, ouais. C'est extrêmement moche. Je suis désolée de vous avoir infligé cette mocheté. Non, mais c'est vrai que, franchement, c'est une working girl, cette fille. Et franchement, je... Pour être honnête avec vous, je suis un peu jalouse de comment elle travaille parce que j'aimerais bien pouvoir être aussi... je sais pas comment... Enfin, j'en perds mes mots, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pas jalousie, genre méchante jalousie, mais genre voilà, de la façon dont elle travaille. Enfin, on a mis un interrupteur en même temps. Ça fait genre un peu plus de vie, l'électricité. Il n'y a pas de vie sans électricité. Merci Lolilo. Bienvenue à toi et coucou Clara, coucou Mzel MSP. Alors, on va voir vraiment les décorations. Je sais pas trop quoi mettre. Peut-être des plantes, tiens. Bah oui, on va mettre des plantes. J'aurais bien eu un petit tabouret ou quelque chose à côté, parce que ça fait vite sur les côtés. Bon, en soi, quand elle se filme, on voit que ça, mais bon, un petit peu sur le côté, soit... Regardez, hop, un petit râteau. Non, 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 ça va pas. D'accord, ok, j'arrête. Peut-être une fois, on fera une décoration, enfin, mur végétal derrière. Peut-être pour l'arrivée du printemps. Pourquoi pas. Après, par exemple, si on met ça et qu'on l'agrandit, ça peut être stylé. Enfin, sans plus. Mais bon, au moins, ça fait un petit peu moins vide. Par exemple, si t'agrandis. Non, c'est pas agrandir. Vous voyez, plus tard, pour le thème du printemps, pourquoi pas. Hey, hello, hello from Southern California, West Coast. Oh, hello, hello. C'est toi ma working girl, désolé, je sais pas comment ça s'écrit. Working, work, comme le travail en anglais. Hello, Abby. Ah, si Modo te bloque, Eleonora, c'est que tu respectes pas le règlement. Hello, Pixia, coucou, Jade. C'est comme par exemple Pixia, c'est pareil hein, en parlant de Pixia. Quand je vois, c'est parce que moi je la suis sur Insta et je regarde beaucoup ses stories. Je suis là en mode jalousie, mais comment elle fait pour travailler? En plus, elle dit dans ses trucs, ouais, je suis fatiguée, ouais, je suis allée dormir à cette heure-ci. Et je la vois encore bosser sur ses machins. Et moi, je suis là en mode flemmarde à regarder mon petit série Netflix, etc. Carnaval, poisson d'avril. Ouais, c'est vrai que c'est bientôt. Enfin, bientôt, dans un mois quand même. Ouais, c'est beau, ça, j'aime bien. Mais bon, pas pour ici. Ah, ça c'est magnifique. Et du coup, je pense que je vais enlever l'autre. Parce que l'autre, il fait tâche à côté de celui-ci. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est un contenu personnalisé. On va mettre des blancs et un petit peu rose. Le genre, si on l'agrandit, ça le fait. Ça le fait quand même, hein. Mais un petit. Ouais, ça passe. Bon, écoutez. Elle fait des nuits blanches pour bosser et tout. Bah ouais. Enfin, moi, je fais des nuits blanches, mais c'est pas pour bosser. C'est pour glander, pour jouer, pour vous parler aussi sur Discord. Hein. Et c'est pour ça, des fois, je veux pas venir sur Discord trop tard le soir parce que du coup, je commence à vous parler et puis on parle toute la nuit jusqu'à 6h du matin. C'est... J'adore hein, vous parler. Hein. Mais après, je suis grave en retard, quoi. Ça, c'est vachement beau aussi. Mais bon, on va pas mettre trop de flowers non plus, hein, sinon ça le fait pas. Un petit tapis peut-être. Même si on voit pas forcément le tapis au moment où elle filme la vidéo, mais bon, pour le côté chill, cocooning, ça peut être intéressant. Donc j'ai quand même beaucoup de CC en termes de tapis. Alors ça, je sais même pas ce que c'était. Elle aime bien, je pense, ce genre de tapis. J'ai pensé un petit peu, ça fait un peu oriental. Ah, parfait, celui-là est magnifique. Par contre, vous me connaissez, hein. Depuis que je sais tourner les objets, je n'en peux plus de ma vie. Voilà, comme ça, ça fait un peu plus naturel. Et je voulais faire une chose, c'est peut-être changer la couleur de ce canapé, parce qu'à force, bon, toujours la même couleur.
En bleu, il est sympa. Ça ferait un petit rappel avec. Là, ça fait un peu trop. Mais peut-être, ouais, le bleu foncé. Et ça, on peut changer de couleur. On va mettre comme ça, voilà. Ça met un peu plus de vie à ce décor. Bonsoir, Antoine. Ah, j'aime bien te parler. Est-ce que tu pourras jouer aux Sims sans aucun CC? C'est possible, mais je t'avouerai que je suis une grosse fan des CC, moi. Je suis une énorme fan de CC. Voilà, on va laisser comme ça le décor, parce que sinon, je vais passer ma vie à faire le décor. Ça marche, Manji? Miaou, pourquoi tu miaules? Oh, ma louloute, je suis désolée. Mais bon, j'essaierai la prochaine fois qu'on jouera avec Enjoy, si t'es toujours malade. Et si tu ne bugs plus, bah, on ira, on t'enverra chez la clinique. Hein. T'inquiète pas, chez la clinique, lol. Comment je parle? Elle fait un dodo, on va la réveiller. Tu peux aller faire de nouvelles vidéos. Enjoy, je t'ai préparé un nouveau fond. Et là, en vrai, si Enjoy, un jour, elle passe sur cette vidéo, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il est laid, le fond? Jamais j'aurais fait une vidéo sur ce fond-là, mais c'est horrible. Non, en vrai, ça va. C'est vrai que c'est un peu, voilà, quoi. Un peu le bordel. Enfin, ça fait un peu bordélique comme fond, mais bon. Merci, Dorian. Merci, Antoine. Hey, Arklililil, comment tu vas, Arklililil? Oh, bah tu peux le remettre parce que du coup je le vois plus. Mais tu sais, Enjoy, elle a des gens qui l'aident. Oui, c'est vrai, elle a des gens qui l'aident, mais quand même, je pense qu'elle fait beaucoup, beaucoup de travail toute seule, hein, quand même. Hein. Je pense qu'elle, le plus gros du travail, c'est quand même elle qui le fait. Hein. C'est assez difficile de confier des choses à d'autres personnes, hein, comme moi. Hein. Souvent on me dit, ouais, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. Le truc, c'est compliqué de donner du travail à d'autres personnes parce que, franchement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas donner en fait. Et c'est ça. On ne peut pas se dédouaner d'énormément de travail quand on gère une chaîne. Alors, il va falloir que tu travailles un petit peu. Oh mince, tendu parce que quoi, elle a vu un fantôme effrayé. Oh, mince. Je peux pas lui demander de streamer si elle est pas bien. Il va falloir un petit peu la détendre. Oh bah oui. Oh. Elle a envie de jouer. Caresser pour s'apaiser. Ça lui fera du bien. Réconforter Nova. Certes, elle est buggée, mais on peut quand même interagir, donc on va en profiter. Elle a besoin de jouer. Jouer avec un pointeur de laser. Alors, Enjoy. J'ai réussi mon problème, résolu mon problème de mot de passe. Ah, nice. Enfin, c'était bien ce que je pensais. Hello Lily. Eh ben merci beaucoup Raygame, c'est gentil. J'ai pas que Visitadine, ouais. Écoute, t'es ami avec Enjoy Phoenix. Yes, on s'envoie des messages tous les jours. On se prend des. Stop, stop. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Non mais. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, Enjoy, c'est pas contre toi. C'est pas contre toi, mais. Non. C'est vachement creepy, je suis désolée hein. Oh non, j'en peux plus. Arrêtez-moi, je n'en peux plus. Oh. Comment dire? Moi, je suis désolée hein, pour cette scène, mais. J'en pleure, je suis en train de pleurer. Vous vous rendez même pas compte tellement j'en peux plus de ma vie. Mais pourquoi tu fais ça? T'as pas le droit de faire ça en live. Enjoy. Je suis en train de pleurer tellement j'en peux plus là. Et en train de mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais maîtresse, qu'est-ce que tu fais? Elle fait vraiment peur en vrai. Bonjour. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Ça me l'a fait. Bah moi, ça me le faisait souvent avec les animaux. C'est des trucs bizarres, les animaux. Mais là, je crois qu'en termes d'humains, c'est différent. Bonjour. Comment on appelle ça? De la capoeira. Elle nous fait de la capoeira, ou capoeira, pardon. Ou de la yoga. De la yoga dans la salle de bain. Oh, j'en peux plus de ma vie. J'en peux plus de ma vie. Ah mon dieu, moi je suis désolée, je suis obligée de screener ça. Je suis désolée, hein, mais je suis obligée de screener ça. Hein. Let's go. Hello.
m'embaucher gratuitement. Parce que c'est pas déjà fait, Lalo. C'est vrai que je te paye 8 centimes par mois, et encore 8 centimes tous les 6 mois. Et merci encore pour le don, Lalo, je te fais un énorme cœur. Merci beaucoup pour le soutien. Mais ça, sur Tinder, t'as tout le monde qui s'arrache sur toi. Une princesse sexy, non mais c'est trop ça. Bah là, je vais screener, moi. Par contre, je suis désolée, hein, mais là, je screen et je mettrai ça comme miniature. Hein. Je suis désolée, hein, mais... On peut tellement pas. Ah, comme ça, c'est encore mieux, là. Ah, mon Dieu. Ah, je suis désolée, hein. On dirait qu'elle vous fait un bonjour surnaturel. Allez. Alors, je suis vraiment désolée pour cet instant. J'ai craqué. Je suis navrée et j'ai totalement craqué. Voilà. J'ai craqué, mais bon, j'arrête mes conneries, promis. Promis, j'arrête. Sauf si elle me refait ça. Et là, elle va faire un truc encore pire. Mais en fait, je crois qu'elle bug avec la litière. Elle était en train de faire un truc avec la litière. Ah, mais en fait, non, non, mais c'est en fait le fantôme qui est rentré dans la litière. Enzel, ah, je travaille déjà. Enfin, je peux mettre quelque chose sur mon CV, lol. Pour mettre, je trie les amis de Quinzel sur MSP. Il y a des démons qui la possèdent. Bah, c'est peut-être ça, hein, finalement. Je pense qu'elle a eu peur du fantôme et c'est un peu parti en cacahuète. On va leur faire des câlins. Donner une friandise. Et après, je pense qu'on va l'envoyer streamer parce qu'au niveau des besoins, elle est bien. Par contre, vous avez vu, il y a un nouveau événement sur les Sims actuellement qui va durer je sais pas combien de temps. Et en fait, qui fait que si vous rencontrez, je crois que c'est Juliette, mais j'ai peur de dire des conneries. Enfin bref, c'est une fille qui se promène dans le quartier. Et si vous lui parlez, ça vous augmente de 3 fois la satisfaction. Donc vous avez 3 fois. Du coup, les besoins descendent 3 fois moins vite. Donc c'est assez intéressant. On dirait quelqu'un qui fait de la gym. Ouais, comme j'avais dit, du yoga. Ça me faisait penser à un truc de yoga. Alors, on va lui demander d'aller streamer pour gagner un petit peu d'abonnés, même si ça gagne pas non plus des masses. On va d'abord voir si on peut, je sais pas, essayer de faire un mème. Hein, on sait jamais. Hein. Enfin, malentendu, peut-être qu'on pourrait gagner quelques abonnés, ce serait sympa. Publier un statut, promouvoir une photo. Et merci Camille, bienvenue à toi. Je suis sûre que je vais trouver du travail. Ah bah ça c'est sûr, hein, le CV il est blindé. Hello The Miss, comment tu vas? Bonjour Anne. C'est quoi ça? C'est trop drôle, ouais. Comment on fait pour que les Sims fassent une des vidéos? Je crois que, je sais plus, mais c'est avec un add-on que vous pouvez devenir, on va dire... c'est pas vraiment YouTuber le terme. Comme bah là c'est par exemple Fabricon, c'est personnalité d'internet quoi. Mais bon, ils peuvent pas non plus mettre des grosses, enfin parler YouTube etc, mais on comprend bien que c'est pour faire des vidéos. Oh, par contre on va lui demander de faire ses besoins. On va voir s'il peut descendre tout seul ou toujours pas. Alors 0 abonnés pour les mêmes, 8000 pour je sais plus quoi à une information, et 0 pour le partage photo quoi. Voilà, elle peut pas descendre tout seul. Elle sort de ton lit, va promener. Et puis après, on fera un petit streaming. Voilà. C'est un peu relou de faire ça, mais bon. Enlever la laisse. Je vais demander d'aller promener. D'aller faire ses besoins. C'est ça qui est chiant quand on est en appartement avec un animal. C'est compliqué. Ah, te barre pas. Comment ça, on est à une clinique? Me dis pas qu'elle aussi... Enfin, qu'elle est malade. Non, elle est pas malade. Enfin, elle a pas l'air malade. Attendez. Non, elle a pas l'air malade. Oh, elle a marché dans la merde. Ah. Par contre, mal de tête. Elle a mal à la tête. Recevoir de l'amour.
Et prends-la dans tes bras. Voilà, et après on remonte en haut. Et il me semble que c'est Vicitadine parce qu'avec le truc de politique, et ça c'est dans la Vicitadine. Bah ouais, il me semble que c'était ça aussi, mais j'étais pas sûre. Je rigole, mais ça se trouve, ça va marcher quand tu auras 100 000 abos si je mets ton pseudo dans mon CV. Bah ouais. Bah écoute, pourquoi pas. Bon, je pense que ça marchera plus en tant qu'influenceuse 15L. Pour essayer pour avoir une bonne image, faudrait que t'ailles dans une société qui veut me faire passer des trucs publicitaires sur ma chaîne, lol. Pourquoi pas. Vous, Christine, comment ça va? Mon Jeff Phoenix devient sale. Oh, après, ça arrive, hein. Franchement, qui n'a jamais marché dans une crotte? Qui n'a jamais marché dans une crotte? Hein? C'est arrivé à tout le monde, ça. Et du pipi, enfin c'est pas du pipi je pense. Voilà. Un repas bien équilibré. Par contre, hein, hop. Ok. Elle est pas bien. Elle est pas bien. Moi, ouais, genre, non mais vous avez tous marché dans une crotte, c'est obligé. Jamais marché dedans, elle ne porte pas l'œil. Dans une crotte, si, une crotte de mon lapin. Arrêtez, je suis sûre que même les gens qui disent ouais, genre, j'ai pas marché dans une crotte, c'est pas vrai. Vous êtes obligés, tout le monde est marché dans une crotte. C'est obligatoire. Je vais te crier avec Nex et Petit Chat, mais ça va être compliqué parce que je prends que des coupes Maxis Match en CC. Je pense qu'il y a quand même des ombrés avec les Maxis Match, non? Je vais dans une entreprise de maquillage car tout le monde sait que tu es une youtubeuse beauté. Ah bah oui, un casa youtubeuse beauté. Beauty, hello, it's me. Bon, j'arrête mes bêtises. Bon, la pauvre, elle est vraiment pas bien, mais bon. Toujours pas l'emmener à la clinique. Bon, allez, on va écrire... écrire, lol. Jouer en streaming. Une séance de jeux vidéo en direct sur le jeu Refuge. Voilà. Et on va surveiller le nombre d'abonnés. Elle est à 207 841. Vous allez voir avec moi, le compteur d'abo monté en live. 881. 900. Vous voyez, ça monte pas, c'est ça, ça monte pas de ouf quoi. Ça monte pas de ouf hein. On est à 208 000, c'est pas ouf quoi. Ça monte pas super vite hein. Mais là, la pauvre, ça se fait pas. Bah Lucie, je t'invite à écouter le live parce que j'ai déjà dit 3 fois que je ne peux pas l'emmener à la clinique parce que il y a le jeu qui bug et du coup, comme tu peux le constater en bas, Nova est grisée et du coup, je ne peux pas la soigner. Je ne peux pas. Non, je l'aurais déjà fait. Coucou Zemis, coucou Erkan. Ça va et toi? Madame Toilette qui fait ça, pas nous. Ouais, c'est Madame Toilette, elle est passée là et elle a fait pipi partout. Alors, on dirait qu'elle est en train de streamer du World of Warcraft, lol. On dirait trop, ouais. Même plus sur mon tel, on vous propose une épilation moi de 10 €, mais j'ai pas besoin d'épilation. Moi, si ça viendra, ça viendra. Coucou Mélissa. Et on est... Oh, franchement, ça augmente pas, hein, vraiment, vraiment. Hein. C'est pas super rentable de faire... du coup, de faire ça. Et Lotia, hello Rémi. Je vais aller chez ma mère, je regarde le live après, bah, et ça marche. Bah, à plus tard. À plus tard, petite Chloé. Ah, c'est que je viens d'arriver sur le live. Ah, bah, y a pas de soucis, t'inquiète, mais demande-moi. Hein. Tu sais que je... Enfin, tu me connais, je n'aurais jamais laissé le chat dans un tel état si je pouvais faire quelque chose. En train de manger des gâteaux. Au moment où tu le dis, bah moi, je suis en train de grogner de mon ventre parce que j'ai pas beaucoup mangé à midi parce que je me suis levée assez tard, je crois vers 11 h 30. Je suis allée dormir à 8 h du matin. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai vraiment eu du mal à dormir hein, parce que j'avais mon petit nec, il était à côté, couché, pas loin. Et je voyais sa patte comme ça, elle était enflée, parce que moi je suis allée me coucher à 8 h, elle avait quand même bien enflé avant que je le vois, avant qu'il parte dormir. Et du coup ça m'avait fait tellement choc, tu vois, dans la tête que j'arrivais pas à dormir. N'y arrivais pas. Tu dois avoir combien d'abos? 1 million. 1 million, et là on est à 209 000. Ah, le PC. Bravo Enjoy, on adore, on va appeler le réparateur. C'est ce qu'elle aurait fait Enjoy. On va appeler un réparateur.
Pourquoi je fais ça moi? C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre le mur. Je voulais ouvrir la porte parce que là je pense que la porte elle est bloquée et que personne ne peut entrer. Moi je me suis réveillée à 8h du matin. Ouais, nous on a fait total inverse. Et là il peut pas rentrer. Et s'il peut pas rentrer, il pourra pas réparer PC. Bah non, verrouillée. Bah non, elle est pas verrouillée, sinon il y aurait marqué déverrouillé, non? Bah écoutez, c'est pas bloqué, hein. Ah bah c'est le facteur, ça. C'est pas le service de réparation. Non mais tu rigoles, je t'ai sorti il y a pas longtemps, c'est une blague? Non, franchement, j'ai limite envie de déménager en Joy dans une maison parce que c'est compliqué d'être dans un appartement avec un chien. Faut toujours descendre manuellement, on peut pas faire la promenade. Oh mince! Ah oui, faudrait que je change ça aussi parce qu'il y a le rideau qui dépasse trop ici. Et genre, ça doit faire louche quand même. Mais comme ça, bon, ça choque pas non plus, mais. Mais quand même! Mais quand même! Oh là là. Et j'ai eu la notif seulement maintenant. Ah bah je suis désolée, hein, les notifs c'est pas... Le week-end, de toute façon, vous attendez jamais à recevoir les notifs. Hein. Ah voilà, service de réparation, bonjour. On va me réparer ça rapidement, merci. Parce que c'est mon outil de travail, hein. Tu te dépêches. Oh la fille trop hautaine. Non ça va, elle a mis 2 secondes à le réparer. Ça me fera combien? 300 000 euros. 106 Simflouz, bon, c'est quand même moins cher que de racheter un PC. Mais c'est réparé et ça c'est cool. Elle l'a réparé genre trop vite. Et genre méga méga vite. On va essayer d'aller sur les réseaux sociaux. Bah on va finir là-dessus. On va essayer d'augmenter un petit peu les abonnés juste avec les dernières interactions. Ah par contre le mal à l'aise. Je rêve où il y a une crotte quelque part. Voilà, une crotte. Ok. J'ai dit, je pense, c'est parti faire ses besoins toute seule. C'est pas plus mal. Quant à Nova, Nova, elle est où? Pareil, on sait pas où elle est. On sait les chiens, les chats, ils sont tous barrés. On sait pas où ils sont, c'est pas bien grave. je suis sur Discord, je ne comprends rien. 100 000 euros, tu exagères. De quoi? Je rien dit, moi. Hey, Panda Noir, j'ai une astuce simple, efficace et gratuite pour avoir des notifications à chaque fois. Ah, bah c'est Connie. Il y a une fille m'a piraté et je lui ai pas dit mon passe, mais elle est allée sur un site et elle avait mon passe. Ouais, bah c'est sûr, si tu mets un mot de passe qui est facile, c'est normal. Faut mettre des mots de passe compliqués. Il faut pas mettre genre lol 1-2-3, lollipop 1-2-3, loli 1-2-3. Il y a un tableau dans le noir. Merci Drawgirl, bienvenue à toi. Attends, dans la salle de bain, il y a un tableau dans le miroir. Ah, si tu parles du cadre, c'est le cadre du miroir, hein, c'est pas un tableau. Hein. C'est normal, hein. Si c'est ce que tu voulais dire, parce que sinon je vois pas. Elle est en train de tout nettoyer. En termes d'abonnés, on n'a pas trop augmenté, franchement, limite on a perdu plus d'abonnés dans cet épisode que vraiment on en a gagné. Mais bon, c'est pas bien grave, on a quand même avancé, on a changé le petit décor. On a vu Enjoy Phoenix sous un nouvel angle, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, vous le verrez sur la miniature. non, c'est pas qu'il y a une crotte, c'est... Ah oui, qu'elle a... Oui, c'est vrai qu'elle a marché sur la crotte. D'accord, oui, d'accord. Il y a une dame avec les nénés à l'air qui attend juste devant. Non, non. Voilà, elle est partie se reposer. Donc je pense qu'on va couper là. Je vais faire une petite pause. Je vais aller manger un petit casse-dalle, un petit quelque chose. Parce que franchement, je commence à avoir vraiment la faim. J'ai vraiment la faim. J'ai vraiment la dalle. Il est sifflé pour Nova. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. On les laisse faire leur petit tour. Oh, c'est pas bien grave. Et bah écoutez, du coup, bah moi je reviens en live dans, je pense, dans une petite demi-heure. Un petit 20 minutes, 30 minutes, le temps de manger un petit casse-dalle. Parce que bon, si ce soir je mange encore, faut pas que je mange un truc trop gros. Voilà. Et bah du coup, bah moi je vous dis à tout à l'heure pour un autre live. Je ne sais pas encore sur quoi, on verra bien. Peut-être le 100 bébé challenge ou pas. On verra bien. En tout cas, je vous laisse. Et pour la team Rediff, on vous dit aussi bah merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt, voilà, à tout à l'heure. Ciao, ciao.